Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième déballage du mois d'octobre où vous découvrirez notre sélection hebdomadaire de jeux vidéo. Voici les titres attendus pour cette semaine. Skylanders Giants, Serious Sam 3 BFE, Air Conflicts Pacific Carriers et enfin 007 Legends. Bon visionnage! Throw a boulder. Have a plate of haggis. Throw a boulder. Fantastic. I've heard fairy tales they can punch holes in the ground. I don't believe it. You show me a pig that can fly, I'll show you a giant. En 2011, la série Skylanders faisait son apparition sous couvert d'une des figures les plus aimées de la génération PlayStation, Spyro, et semble avoir marqué le cœur des joueurs puisqu'un deuxième opus intitulé Skylanders Giants fera son entrée le 19 octobre. Édité par Activision et développé par Toys for Bob sur PS3, Xbox 360, Wii et 3DS, le jeu est fourni avec un plateau nécessaire au gameplay. Il permettra d'y disposer des figurines qui font alors leur apparition sur votre écran pour combattre dans ce jeu d'action plateforme. Cet opus introduit 8 nouvelles figurines et il est à noter que pour les possesseurs de l'opus précédent, les figurines déjà en leur possession sont annoncées comme étant compatibles avec le jeu. Un principe innovant qui ravira les joueurs en quête d'originalité et pourrait bien convaincre les réticents du premier jeu. Introducing Skylanders Giants. Over 40 new characters and one amazing new adventure. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, are uncovered. Everything seemed perfect. Sorti depuis le 22 novembre 2011 sur PC, Serious Sam 3 BFE avait divisé la communauté des fans. Si cette préquelle racontait les origines de la série, elle a été jugée comme moins fun que le First et Second Encounter. C'est désormais au tour des possesseurs de consoles de salon de se faire un avis puisque ce FPS, édité par Devolver Digital et développé par Croteam, fera son entrée sur PS3 et Xbox 360 le 17 octobre, déconseillé aux moins de 18 ans pour cause de découpage, mitraillage et émiettage de monstres par les mains d'un Sam sérieusement chaud pour la baston. We've been able to decipher the tablets Professor Stein was working on. Apparently there's another Syrian chamber beneath the Great Pyramid. We finally got an actual piece of Syrian tech running. Extraction has failed. The bird is down. Sam? Is that you? You're alive? We can't hold out long. Développé et édité par Beat Composer, le nouvel opus de Air Conflict Pacific Carriers mettra en scène le joueur sur le champ de bataille du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme indiqué, le jeu vous met aux commandes pour deux campagnes solo, un multijoueur composé de 4 modes, le contrôle de 12 avions et 21 navires de guerre à la fois sur PC, 360 et PS3, où il sera jouable avec le PS Move. A noter également que le jeu est annoncé à 10€, tandis que ses aînés l'étaient à 30. Peut-on y voir le déclin de la série ? L'avenir nous le dira. Qu'on l'aime ou non, l'agent le plus charmeur et le plus efficace de Grande-Bretagne ne cesse de nous inonder de ses récits, que ce soit sur console ou sur le grand écran.
Ainsi sortira le 19 octobre un nouveau FPS intitulé 007 Legends, développé et édité par Activision sur PC, Xbox 360, PS3 et également annoncé sur Wii U pour le 28 novembre. Cette fois, pas question de s'inspirer d'une seule aventure, mais bien de 5 films différents issus de toutes les périodes de l'agent 00, allant ainsi de Moonraker au récent Skyfall. Un jeu à licence, méfiance donc, à moins d'être un amateur des aventures de l'agent secret le plus célèbre du 7e art. Voilà, c'est la fin de ce déballage, nous espérons que l'émission vous a plu et aidé à faire vos choix lors de l'achat de vos jeux vidéo. Merci de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. À bientôt !